bienvenue dans une nouvelle série consacrée cette fois-ci au change management. Pour changer un peu, on va s'intéresser à la disponibilité plutôt qu'à la confidentialité. La disponibilité est l'un des trois principes fondamentaux de la sécurité de l'information. Elle garantit que les systèmes, les applications et les données sont disponibles pour les utilisateurs lorsqu'ils en ont besoin. En moyenne, 80% des pannes de systèmes informatiques sont causées par des erreurs d'opérateurs et d'applications. Quand on creuse pour chercher les causes des pannes d'infrastructure, on tombe régulièrement sur des lacunes au niveau du change management. L'erreur est humaine, mais pour vraiment tout bousiller, il faut avoir le mot de passe route. L'objectif du change management, c'est de s'assurer qu'on utilise des méthodes et des procédures standards pour traiter efficacement les modifications de l'infrastructure IT, afin de minimiser le nombre d'incidents et l'impact sur le service. Beaucoup d'organisations ont des pratiques de change management bien documentées, mais qu'en réalité personne ne respecte. Avoir un processus documenté est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant si on veut obtenir des résultats. Implémenter un process de change management et arriver à faire en sorte que tout le monde s'y conforme sont deux choses très différentes. Pour que ça fonctionne, il faut prendre en compte les aspects humains. Il est assez facile de deviner si une organisation n'a pas réussi à intégrer correctement le change management. Par exemple, quand il y a un process de change management, mais que tout le monde pense que c'est trop bureaucratique et que ça diminue la productivité. Ou bien encore, quand tout le monde sait que les gens contournent le process, parce qu'il y a régulièrement des pannes bizarres et des modifs faites en cachette. Ça peut aussi se traduire par un comportement entre guillemets « agile » en apparence, mais qui en réalité favorise les catastrophes. Le sentiment d'agilité est bien souvent une illusion. Ce qu'on oublie souvent, c'est que si une personne peut sauver le navire à elle toute seule, alors elle est probablement aussi capable de le couler. Il y a aussi ceux qui fonctionnent en mode pompier, parce qu'ils pensent qu'un véritable contrôle n'est tout simplement pas possible, et qu'ils sont condamnés à devoir régulièrement intervenir en urgence pour réparer les systèmes informatiques. Autrement dit, un environnement où les opérations IT sont constamment en mode réactif, avec des difficultés à se libérer de la lutte contre les incendies suffisamment longtemps pour pouvoir s'investir dans un travail proactif. Et puis les organisations où les gens de l'IT comprennent la nécessité des contrôles, mais ne savent pas trop par où commencer. La performance du change management peut être évaluée à l'aide des indicateurs suivants. Le MTTR, ou Mean Time to Repair. Autrement dit, le délai moyen de résolution d'incident. Le MTBF, ou Mean Time Between Failures. Autrement dit, le délai moyen entre deux incidents. Le nombre de changes et le taux de réussite des changes. La charge de travail en matière de sécurité post-déploiement et le niveau de conformité. La quantité d'interventions non planifiées et le ratio serveur par administrateur système. Une fois qu'on a réussi à instaurer une culture de change management, la façon dont le staff implémente les changes n'est plus de commencer par se loguer sur les systèmes informatiques. Au lieu de ça, il commence par participer à un CAB, un Change Advisory Board, et demande si le change doit être fait. Ça n'est pas considéré comme un truc bureaucratique qui ralentit inutilement les choses et qui rend le travail pénible. C'est plutôt considéré comme quelque chose de nécessaire pour que l'organisation maintienne son niveau de performance. Tous les changes doivent passer par le processus de change management. 80% du MTTR est souvent gaspillé dans des activités inutiles. Déterminer la cause d'une panne peut consommer beaucoup de temps précieux sans une gestion efficace des changements. Ça prolonge la panne et ça rend la réparation plus compliquée. Une organisation IT performante a une culture de la causalité. L'organisation a conscience que 80% de ses pannes sont dues à des changes et que 80% de son MTTR est passé à chercher ce qui a été modifié.
beaucoup de pannes sont auto-infligées. 80% des coupures non planifiées sont causées par des problèmes de personnes et de process, notamment par de mauvaises pratiques en change management. Et 20% seulement sont causées par des défaillances système et des sinistres. Et donc, en toute logique, lorsqu'ils travaillent sur des problèmes, ils examinent en premier lieu les changes. Les tickets internes, pour une panne, recensent tous les changes prévus et autorisés pour le système affecté, ainsi que toutes les modifications ayant été détectées sur le système. Rien qu'en examinant ces informations, les gestionnaires d'incidents seront en mesure de proposer un correctif dans la plupart des cas. Par opposition, les équipes des organisations IT peu performantes fonctionnent par intuition et travaillent souvent à l'instinct. Elles fonctionnent en mode « essayons de faire des trucs et on verra si ça marche ». Par conséquent, elles n'utilisent pas l'analyse et la causalité pour résoudre les problèmes. Une organisation performante a aussi une culture de l'amélioration continue. Il y a une volonté constante de trouver les écarts rapidement, avant qu'ils ne causent un arrêt de production ou une intervention non planifiée. En gros, ça revient à prêter attention à la jauge de carburant plutôt que de tomber en panne d'essence sur l'autoroute. L'organisation peut corriger le problème de manière maîtrisée, sans avoir à le faire dans l'urgence et sans que ça perturbe le planning. En mettant en place des contrôles pour trouver les écarts, elle implémente en fin de compte des procédures de prévention et de détection pour gérer le risque. Ce n'est pas un hasard si c'est exactement ce que les auditeurs recherchent pour déterminer si une organisation IT gère efficacement les risques et a mis en œuvre des contrôles appropriés. Et ce faisant, non seulement l'organisation a une bonne posture en termes de conformité réglementaire, mais en plus de ça, elle n'a quasiment aucun effort supplémentaire à faire pour maintenir sa conformité et interagir avec les auditeurs. On ne peut pas parler de change management sans évoquer ITIL. ITIL signifie Information Technology Infrastructure Library. Il s'agit d'une compilation de bonnes pratiques IT. ITIL fournit un framework et un catalogue de processus opérationnels, élaboré à partir de l'expérience d'innombrables professionnels de l'informatique. Initialement créé dans les années 80, le corpus de connaissances ITIL continue d'être amélioré et réorganisé, notamment sous la forme de la norme ISO 20000, qui divise l'ensemble des disciplines ITIL en 5 domaines clés. Le process de design, les process de contrôle, les process de résolution, les process de relationship et les process de service delivery. Parmi ces 5 types de process, 3 sont mis en œuvre par l'ensemble des organisations les plus performantes. Le process de design répond à la question d'où vient l'infrastructure avant qu'elle ne soit déployée. Ça inclut des activités comme le planning, la conception, la mise en œuvre et la configuration du matériel et des logiciels. Malheureusement, le process de design est traditionnellement le dernier domaine dans lequel les organisations investissent. C'est pourtant celui qui offre le meilleur retour sur investissement, car il englobe toute l'infrastructure de pré-production, où le coût de réparation des défauts est le plus faible. Les organisations les plus performantes sont celles qui assignent le plus de monde aux activités de pré-production. Et elles sont capables de reconstruire leur infrastructure, ce qui fait que pour elles, il est souvent plus simple et moins coûteux de reconstruire plutôt que de réparer. Les process de contrôle couvrent la maintenance de l'infrastructure de production, non seulement pour éviter les interruptions de service, mais aussi pour fournir le service de manière efficace. Ça se fait à l'aide du change management, ainsi que de la gestion des actifs et des configurations. Les contrôles ne ralentissent pas l'activité. À l'instar des freins d'une voiture, les contrôles vous permettent en fait d'aller plus vite. Les organisations IT les plus performantes ont une culture de change management et utilisent des contrôles de prévention et de détection pour atténuer les risques et détecter rapidement les écarts avant qu'ils ne causent une interruption de service ou une intervention non planifiée. Elles ont toutes un processus d'acceptation de mise en production rigoureux pour s'assurer que rien ne soit déployé sans avoir été approuvé par le change management. Les process de résolution sont déclenchés lorsque l'infrastructure de production tombe en panne, que le service est interrompu ou qu'il y a un problème de sécurité.
La gestion des incidents est responsable de la relation avec le client. Et la gestion des problèmes a pour objectif de transformer chaque problème en une erreur connue qui pourra être résolue plus efficacement la prochaine fois qu'elle se produira. Les organisations qui consacrent trop de temps à éteindre les incendies sont incapables de passer du temps sur les process de design et de contrôle. Les organisations les plus performantes ont une culture de la causalité, en particulier lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes et de réparer des pannes. Du coup, les changes sont évalués en premier dans le cycle de réparation, et par conséquent, les problèmes sont résolus beaucoup plus rapidement. De cette manière, elles consacrent moins de temps aux interventions non planifiées et au rétablissement des services, et peuvent donc passer plus de temps sur le début du cycle de vie informatique. De nombreuses organisations perdent du temps à réinventer la roue en redécouvrant par elles-mêmes les enseignements déjà rassemblés dans ITIL. En utilisant ITIL, vous normalisez les différents termes dans un cadre standard. La connaissance de la terminologie ITIL facilite l'interaction avec les autres organisations IT et réduit le risque de malentendus. Trop souvent, les équipes d'exploitation informatique ont une relation de travail improductive avec la sécurité et l'audit. En exposant les contrôles et les critères d'acceptation, la sécurité et l'audit sont en mesure d'examiner les changes avant qu'ils ne soient mis en œuvre et de détecter quand ces contrôles sont contournés. Ces contrôles servent non seulement à éviter des changes qui pourraient entraîner des incidents de sécurité et des interventions non planifiées, mais ils permettent aussi de surveiller et de réduire continuellement les écarts de conformité. Plus le nombre de changes imprévus augmente, plus la probabilité d'une configuration non sécurisée augmente en conséquence, de même que le nombre d'incidents sur lesquels la sécurité va devoir enquêter. Les auditeurs informatiques sont souvent exaspérés par l'absence de processus documenté et par l'incapacité à démontrer que les objectifs de contrôle sont atteints. L'amélioration des process et des contrôles profite à toutes les parties, en créant une relation de travail plus productive et en permettant aux différentes équipes d'atteindre plus efficacement leurs objectifs. Il y a beaucoup de bénéfices à retirer d'un change management efficace. Pour aboutir à une implémentation réussie de ce process, il faut procéder par étapes. Dans le prochain épisode, on va détailler la première étape.